Recherche fuite, donc nous avons une fuite, une infiltration intérieure, donc l'eau passe à travers les pierres du mur, comme on peut voir ici, voilà, voilà, et a provoqué des dégâts considérables sur le sol. Donc après investigation, nous avons pu constater plusieurs phénomènes. Donc cette idée recherche de fuite, nous avons constaté que le chéneau à cet endroit donc était en contrepente et descendait, débordait juste ici et était obstrué de feuilles. Donc énormément d'eau passe derrière le mur et provoque donc des infiltrations un peu partout et ressort même en dessous, voilà, juste ici. Et donc nous avons pu constater que il n'y avait pas de chéneau sur cette partie de la maison et l'eau tombait directement sur le sol juste à côté de la véranda. Et comme c'est du rocher dans le sol, a provoqué des trous un peu partout comme ici, et l'eau s'infiltre donc dans le sol et passe à travers toutes les pierres qu'il y a dans le sol. Et donc comme le terrain est en pente vers la véranda qui est ici, donc nous avons tous les chéneaux qui descendent sur le terrain et avec la pente naturelle va directement donc dans la véranda. Cette idée fuite détectée.